de rattraper un peu les Anglais qui ont un peu le monopole dans les musiques alternatives, underground. Et le Peacock fait ça bien, il mélange les scènes. Il n'y a pas que de la techno, il n'y a pas que de la house, il y a des sons un peu plus futuristes. Donc c'est un bon mélange, je trouve, de genres et c'est rare. Et on voudrait un peu plus de festivals comme ça en France. Ça montre que l'électro, la house, la techno, il y a du monde qui est là, et surtout à Paris, quoi. Il en faut, quoi. Il en faut, ça ramène du sourire, ça ramène de happiness, you know. C'est ambiance hyper dedans, hyper dynamique et pas timide, quoi. C'est ça. Depuis toutes les dates que j'ai fait à Paris, j'ai toujours un accueil super chaleureux. Ça change pas. Tonight was quite impressive, actually. Really good. Perfect production, good crowds, quite warm. And yeah, I mean, we had fun. Yeah, we had good fun, actually. Pas 8000 comme à la Weather. Il y a une petite ambiance confinée qui est assez cool, et en même temps il y a pas mal de monde, il y a une super ambiance. Bah, ce qui est bien, je trouve, c'est l'endroit. En fait, on est juste à côté de Paris et on dirait pas du tout qu'on est dans Paris. Ça change vraiment, c'est hyper verdoyant, c'est hyper calme. Quand on arrive dans le bois de Vincennes, ça change tout de suite de décor. Et puis bah, c'est bien parce que c'est pas loin de chez nous au final, donc ça dépayse sans partir trop loin.